Voilà. Yes, salut la famille. Et il faut voir si le son sort, si c'est bon pour le son. Il faut me dire en commentaire parce qu'on doit parler la famille. C'est bon? Yes, salut à tous et salut tout le monde. Salut la Guinée et salut toute l'Afrique. Et comme vous le savez bien, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux tout récemment, on va venir parler de ça, on va se parler. Je vais parler à mes fans, à mes champions youth. Je ne suis pas là pour abaisser quelqu'un. Je n'ai jamais pensé comme ça. Je n'ai jamais pensé comme ça de la vie. Je ne suis pas là pour humilier quelqu'un. Je suis juste là pour dire la vérité. Tout ce qui s'est passé, je vais parler à mes fans, à mes champions youth. On va se parler comme ça se doit. Vous comprenez un peu? Venez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écouter Alasko et ce qu'Alasko va dire et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, venez, on va parler. C'est très important, la famille. J'ai vu vos messages de soutien. Merci beaucoup pour la force. Merci, la famille. Et je sais qu'Alasko est avec des vrais fans aujourd'hui. Vous comprenez aujourd'hui? La merci. Merci, venez, on va parler. On va parler, la famille. Votre champion, youth est là, comme d'habitude. La merci. Toi-même, tu sais. De commencer, je ne suis pas en Guinée. C'est pourquoi je n'ai pas fait d'interview. Je n'ai pas fait de conférence. Je suis en Turquie pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles, je vous dis. Donc, venez. Venez la famille. Venez ma famille. Toi-même, tu sais. Là, merci. Il y a plein de fans ici ce soir. Il y a plus de 1800. Il y a 2000 personnes, je commence à parler. 2000 personnes, je commence à parler. On parle de tout. On parle de tout. Yamande. Je dis bien, 2000 personnes, on commence à parler, s'il vous plaît, la famille. 5000 personnes. Toi-même, tu sais. Big thing, c'est merci, la famille, pour la force. Merci pour vos messages partout. Et il y a 2000 personnes déjà, donc. Je vais commencer. Et avant tout, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous comprenez un peu, c'est grave. Toute la Guinée parle de ça. Toutes les médias parlent de ça. Vous comprenez un peu. Moi, je suis un jeune, je suis très jeune. Est-ce que vous me comprenez bien? Je suis très jeune. Je ne suis pas trop dans les débats depuis longtemps. Je n'ai jamais fait de buzz pour avoir le nom. Je suis jamais sorti sur les réseaux sociaux pour avoir le nom. J'ai toujours chanté pour avoir le nom. Vous comprenez un peu? Donc, pour commencer avec mes gars, on avait commencé depuis 2019. Avant, je n'étais pas avec eux. Avant, je cartonnais partout en Guinée pendant 5 ans. Je n'étais pas avec eux. Mes sons étaient écoutés partout en Guinée. Partout en Afrique, vous comprenez un peu. Et on a commencé à travailler en 2019 avec mes gars MLP. Vous comprenez un peu. On a sorti le premier single Bonbon Colo. Quand on a commencé à travailler, ils m'ont dit Alasko, non, signe pas quelqu'un. Tout ce qu'on fait pour une personne, on le fait pour Dieu. Tout ce qu'on fait pour une personne, on le fait pour Dieu. On ne signe pas un jeune artiste. Ils m'ont toujours dit ça. J'ai dit ok. On a commencé à travailler. Bonbon Colo est sorti. Je pensais bien que Moussa Mbaye faisait partie en ce moment. Il y avait Moussa. Il y avait Fayana Fafé qui était venu après.
Et avec Moussa. Vous comprenez bien? Du coup, on a continué comme ça et on était allé au Canada. Ils ont trouvé un visa pour moi. Je dis pas qu'ils ont pas fait pour moi aujourd'hui. Ils ont beaucoup fait pour moi. Je les remercie pour ça. Je remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup pour ça. Ils ont beaucoup fait pour moi aussi. La vérité est bonne à dire. Tu vois un peu? On était allé au Canada. Tout ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de contrat. Ils m'ont dit, nous, on ne signe pas un jeune. Nous, on ne signe pas quelqu'un. Tout ce qu'on fait pour un jeune aujourd'hui, c'est pour l'avenir, pour son avenir, pour le mettre à l'international. Pour le faire voir à l'international. Vous comprenez bien? On a continué à parler, on a continué à travailler. On était allé au Canada. On est revenu. On s'était mis sur un point. Et de faire un album, c'était le 19 avril. Vous comprenez bien? Et on a commencé à faire l'album, à faire la promo de l'album pour le 19 avril. Malheureusement, il y avait COVID-19 qui était là, COVID et coronavirus qui était là, qui a tout gâché. Vous comprenez un peu? Coronavirus a tout gâché et quand j'ai vu ça, Corona avait gâché mon tout premier concert, c'était le 19 avril. Corona a gâché le lendemain et une semaine après. Et le grand m'avait appelé, il m'a dit, Alasko, viens, je suis venu. Il m'a dit, tu as vu. Et petit, et Corona a gâché notre concert. J'ai dit, ouais, grand, je te comprends. Tu as vraiment financé, je te comprends. Je l'ai compris. Après ça, et Alpha Condé, je pense bien le président, notre président en ce moment, Alpha Condé, avait fait le dédommagement plus de 2 milliards de francs guinéens. 2 milliards de francs guinéens pour tous ces concerts qui se sont gâchés au cours du COVID-19 en 2020. Vous comprenez un peu? Il avait fait un dédommagement de 2 milliards. Vous comprenez? Mais ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont jamais parlé de ça. Alaska Wesh et Alpha Condé a déménagé. C'est mon ami King Détu qui était venu pour me dire. Il m'a dit, Alaska, est-ce que tu as eu tes reliquats du concert et que Alpha Condé a dédommagé pour le 19? Vous comprenez un peu? J'ai dit non, j'ai pas reçu. J'avais eu même honte de lui. Vous comprenez un peu? Mais tout ça, ils m'ont rien dit jusqu'à maintenant. Ils m'ont pas parlé de ça. Vous comprenez? Après, on s'est fixé un autre objectif pour le deuxième concert. C'était pour le mois de novembre ou bien octobre. Tout ça, il n'y avait pas de contrainte, nous. Tout ça, il n'y avait pas de contrainte, nous. On s'est fixé un deuxième concert en 2020 pour le mois, je pense bien, de novembre et octobre. Et en plus, ça n'a pas été lieu parce que c'était proche et on ne pouvait pas faire les promos en ce moment. Vous comprenez un peu? Et du coup, on s'est lancé sur le 14 février. Vous comprenez un peu? Donc, le 14 février est arrivé. On était en janvier. Février est arrivé. Tout s'était préparé. Bien. On avait bien préparé les concerts et tout était à la place. Et un jour, j'étais couché. Le grand m'avait appelé. Il était fâché. Il était fâché. Il m'a dit, Alasko, il faut que tu viennes. Il faut que tu me trouves au bureau. Vous comprenez un peu? Après, je l'ai trouvé au bureau. À MLP, au jardin. Ils étaient avec leur crew. J'étais seul. Moi, je pensais même qu'ils m'avaient appelé pour quelques trucs du concert. Pour me faire comprendre que, ouais, Alasko, ouais, c'est ça que tu dois faire au concert. C'est ça que tu dois faire. Vous comprenez? À mon arrivée, qu'est-ce que je trouve? Ils étaient dans leur bureau. Ils me donnent un contrat. Il me donne le contrat, je prends le contrat. Première page, j'ai lu. Deuxième page, j'ai lu. À la fin, j'ai vu, à la fin du contrat, et c'est écrit dommages et intérêts. J'ai fait comme ça à Blaye. Il a esquivé. Il s'est levé, il s'est énervé. Il m'a dit, Petit, tu es malade si tu ne signes pas. Il n'y aura plus de concert. Mon frère, si tu signes pas ton concert du 14 février, j'annule tout de suite. Mon frère, un jeune qui a fait dans le ghetto 6 ans, tu n'as pas d'album, tu cherches des gens qui vont te produire. Et si lui te dit,
En un clin d'œil, mon frère, si tu signes pas, il va annuler ton concert. J'avais peur. Tu sais, moi, j'ai pas chanté pour de l'argent. Hein. Moi, j'ai chanté par amour. J'ai chanté par amour. Vous comprenez un peu? Il m'a parlé. Ils m'ont dit de signer. Ils m'ont obligé. Il n'y avait pas ma famille. Il n'y avait personne. Ils m'ont menacé qu'ils vont annuler mon concert. Vous comprenez un peu? Après, je me suis dit, mais bon, quand je dis de ne pas signer, j'allais gâcher ma vie. Vous comprenez un peu? J'ai lu le contrat, j'ai signé. J'ai signé deux contrats. Contrat de management et contrat de production. Je n'ai jamais signé avec eux qui vont me donner 25 millions. Ça, c'est des paroles, mec. Ça, c'est des paroles. Tu vois un peu? Mais dans tout ça, on a signé tout ça. On était au calme. Et à l'approche de l'événement, un jour, j'étais dehors au jardin avec le grand frère à Blambaye. On était à deux. On souriait. Il m'a dit, petit, tu vois, j'ai trop financé. Je veux que tu me laisses le concert à 30%. J'ai dit, comment ça, grand? C'est trop petit. Il a souri. On riait, quoi, dans la blague. Tu vois un peu, vous voyez un peu. On riait dans la blague et après, il a esquivé ça, il est monté. Tu vois un peu. Tout ça, j'ai tout laissé. Vous comprenez un peu. Après, le concert est arrivé. Déjà, ils ont parlé, j'ai vu leur conférence de presse et j'ai été déçu de ce que les gens ont dit sur moi. De ce que c'est quand mes grands frères que je prenais pour mon père, qui va tout faire pour moi, qui va me montrer aux yeux du monde entier, j'étais déçu. Vous comprenez un peu? Le concert s'est arrivé. C'était pour le 14 février. J'étais à l'hôtel Riviera. Vous comprenez un peu? J'étais là-bas, j'étais au calme. Il avait pris une chambre pour moi là-bas. Il m'a dit, Alasko, tu restes là. Et j'étais là-bas. À la veille du concert, parce que quand tu es à l'hôtel, ce n'est pas eux qui t'offrent à manger. C'est toi qui l'achètes toi-même. Allez-y demander Hôtel Riviera si c'est eux chaque matin qui t'amènent à manger à l'hôtel. Non, on y va. À la veille du concert, j'avais faim et c'était la nuit. J'étais monté en haut de l'étage parce que leur restaurant se trouve en haut de l'étage du Riviera. J'étais remonté là-bas pour manger avec des amis qu'ils avaient parlé déjà dans leur conférence. Vous comprenez un peu? J'étais monté à l'étage pour manger avec mes amis et l'enfant de quelques hauts cadres. On était là-bas, on était à table, on mangeait. Du coup, lui, il était venu et m'a pas trouvé dans ma chambre. Il s'est énervé. Il s'est énervé. Il est descendu à la réception. Il a dit, quand Alasko vient, il ne rentre plus ici. C'est pas moi. Il ne rentre plus dans la chambre là. Donc bloqué tout. Vous comprenez? Après, quand j'ai fini de manger, je suis redescendu. Vous comprenez un peu? Et je suis parti à la réception. J'ai dit au gars, je veux rentrer dans ma chambre. C'est fermé. Ils m'ont dit que ouais, le boss est passé. Il a dit que tu rentres pas. J'ai dit, ah bon, c'est le boss. À la veille de mon concert, il me dit que je ne rentre pas dans ma chambre, mais où je vais dormir. J'ai dit, ok, j'avais un peu d'argent sur moi, j'ai pris l'hôtel, une chambre. Moi-même, il sait bien, je sais. J'ai pris une chambre moi-même, je suis rentré. Je me suis couché. Après, le lendemain, le matin, il était venu, il était furieux. Il m'a dit, petit, il m'a même pas appelé pour me demander, petit, tu étais où? Tu étais où? Il a insulté ma mère. Il a dit, petit, t'es ingawong. J'ai dit, ah, c'est la première fois que je me mets devant à Blamba. Je me suis levé. J'ai dit, quand, faut plus insulter mes parents. Faut plus insulter ma mère. Il n'y a pas ça entre nous. C'est la première fois de la vie que je me lève contre Ablaye. Je l'ai toujours respecté. Je n'ai même pas lui regarder dans les yeux. Tellement que je lui respecte. Tellement que je respecte ce gars. Il sait. Il sait. Il a dit beaucoup de trucs dans leur conférence. Aujourd'hui, j'ai écouté, j'ai eu mal.
J'ai eu mal. Il dit que il m'a trouvé dans la douche, qu'ils ont mis l'eau sur moi, que j'étais drogué, mon frère. Comment j'étais drogué? Tu as fermé la porte devant moi. J'ai payé une chambre moi-même. Je me suis couché. Tu es venu, tu m'as trouvé avec mon oncle assis dans ma chambre. Tu as insulté devant mon oncle, le petit frère de ma mère. Tu as insulté ma mère devant lui. Mais lui, il sait pourquoi il s'est ressaisi. Parce que c'était le jour de mon concert. Il ne pouvait pas créer de problème le jour de mon concert quand même. On s'est ressaisi. On s'est ressaisi comme ça. Après le concert, il est venu. Le concert s'est bien passé. En plus, il a dit que je suis monté sur scène à 17h dans la conférence de presse. Moi, je suis jamais monté sur scène à 17h. Moi, je suis monté sur scène à 21h. À 21h, moi, je suis monté sur scène. Tout le monde sait ça en Guinée. Je suis jamais monté sur scène à 17h, moi. Vous comprenez un peu? Et je suis monté sur scène à 21h et j'ai mis le feu. Quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est sous ou bien quelqu'un qui prend de la dope, mais comment il peut mettre ses fans à l'air, à l'aise, je m'excuse bien. Comment il peut mettre ses fans à l'aise? Vous comprenez un peu? Tu sais, la vie, tu peux te mettre devant les caméras, dire du n'importe quoi. Tu vois un peu, moi je vais jamais accuser les gars. Sinon, si je voulais accuser les gars là, depuis le 14 février jusqu'en décembre, ça fait 10 mois, il n'y a pas ce média qui m'a pas contacté pour que je parle. J'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que je sais quand je parle, ça va être une bombe. Je les ai toujours fait comprendre. Je dis grand, je ne veux pas parler. Parce que tout simplement, quand je sais très bien que quand je parle, ça va être une bombe. Partout en Guinée, partout en Afrique. Vous comprenez un peu? Après ça, après le concert, le lendemain, il était venu furieux à l'hôtel avec ses gars, avec sa femme. J'étais avec mon oncle, mes amis, avec ma copine. On était assis à l'hôtel. Il m'a remis les 25 millions. J'ai regardé l'argent. J'ai dit, ok, c'est rien. C'est la vie. Avant tout, moi, je n'ai pas chanté pour. Moi, je ne suis pas venu à MLP pour de l'argent, mon frère. Moi, je suis venu là-bas pour qu'ils mettent ma carrière en haut, à l'international, pour qu'ils montent, pour qu'ils me montent partout dans le monde entier. Vous comprenez un peu? Après ça, et je suis resté comme ça, dans le quartier, et les gens pensaient, et les gens parlaient. Même à l'appartement où j'étais. J'avais 5 mois là-bas que j'avais pas payé. Dans tout ça, j'ai pris les. Il m'avait donné 25 millions. J'ai pris les 20 millions. Je suis parti, j'ai allé donner à ma mère. Sans que ma mère ne cherche qu'ils m'ont donné 25 millions. Parce que toi, vous-même, vous savez, la famille africaine, s'ils savent que tu as rempli l'esplanade, plus de combien de milliers de personnes, ils vont se dire, wesh, il y a de l'argent. Le petit, il est riche. Ça leur dit qu'ils m'ont donné 25 millions. J'ai jamais dit à ma mère que MLP m'a donné. Ma mère peut témoigner, elle sait. Je suis parti, j'ai donné à ma mère 25 millions. J'ai dit 20 millions, je m'excuse bien. J'ai dit, ma mère, faut te débrouiller avec ça, comme tu m'avais dit, que comme si tu, comme tu m'avais dit que la maison, tu dois arranger la maison quand il pleut. L'eau sort partout, vous comprenez un peu. Donc, je lui ai donné ça. Moi, je suis resté avec 5 millions. Imaginez du 14 février jusqu'en décembre. J'ai jamais parlé. J'ai jamais dénigré MLP. Il n'y a pas ce radio qui m'a pas appelé pour MLP. Il n'y a pas ce radio qui m'a pas appelé pour parler. J'ai toujours fait comprendre aux grands. Je dis grand. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui se moquent de moi partout dans le quartier, que moi je viens de finir mon concert, que wesh, il n'y a rien. Il me disait toujours, ouais petit, il n'y a rien. Mais je le comprenais, c'était un père pour moi, c'est mon père. Tout le monde dit comme ça, c'était mon père. C'était mon père spirituel, c'était mon père pour tout. Quand il me dit, petit, fais ça, fais ça. À un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Ça fait 10 mois que je n'ai pas parlé.
Du 14 février jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé. Il faut se demander, mais pourquoi Alaska parle maintenant? Vous savez pourquoi j'ai parlé sur Cita News? Parce que tout simplement, MLP nous ont convoqués à la gendarmerie. À la gendarmerie de Kamayine. Ils m'ont convoqué avec mon grand Bouba parce que tout simplement, et je suis allé à l'abbé. Tout simplement, je suis allé à l'abbé, ils m'ont convoqué. Ils ont enfermé Bouba. Bouba avait fait un jour là-bas. Pourtant, Bouba avait travaillé pour eux 13 ans. C'est Bouba qui était à la porte, qui a vendu tous les tickets qui sont rentrés dans mon concert. C'est lui qui a vendu tout. Il ne peut pas nier qu'il ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont laissé les gens rentrer comment. Non, le gars, il a vendu tous les tickets. Le gars, il sait. Le gars, il est à Conakry, c'est Bouba. Ils l'ont enfermé. Lui, il a travaillé 13 ans. C'est lui qui a affiché tous mes banderoles à Conakry au milieu de la nuit. Ils l'ont enfermé. Tout simplement, le gars m'a amené à l'abbé. On est parti, j'ai répondu la plainte avec ma mère. On était là-bas, on était assis au calme. Après, mon grand, quand on a été à la gendarmerie, ça fait même pas quelques mois, ça fait même pas un mois, je pense bien. Quand on a été à la gendarmerie, le gars il était là, il était furieux. Il a pris mon contrat, il a donné au commandant. Moi, je ne veux plus travailler avec le petit. Je ne veux plus rien de lui. Vous comprenez un peu? Je me suis assis, je l'ai regardé. J'ai dit, mais qu'est-ce que le grand fait comme ça? Il veut plus travailler avec moi à cause de l'abbé, parce que je suis allé à l'abbé. Lui, c'est pas, ça fait 10 mois, moi, je suis là. Je suis là, je le défends, je le couvre. Je ne veux pas que les gens même sachent que c'est 25 millions qu'il m'a donné. Je veux même pas que les gens sachent, parce que si les gens sachent ça, mais c'est difficile à comprendre partout dans le monde entier. Personne ne peut comprendre ça, mec. Personne dans ce monde ne peut comprendre ça. Je l'ai toujours camouflé, je l'ai toujours camouflé. Ça fait 10 mois maintenant. Vous comprenez? En plus, il est là pour à cause des miettes de l'abbé. Il pense qu'il y a eu l'argent là-bas parce que c'est leur business. Eux, c'est le business, c'est pas la carrière. Vous comprenez? Eux, c'est le business, c'est pas la carrière d'un artiste. Vous comprenez? Un artiste, si tu vois que tu t'habilles, si tu sais, si tu veux, tu t'habilles bien. Si tu veux, faut pas t'habiller bien. Si tu veux, tu te loges bien. Eux, c'est pas leur affaire. Tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent, c'est des concerts. Après, pour venir. Vous comprenez un peu? Après, on était à la gendarmerie là-bas. Ma mère était là-bas. Ils ont donné la parole à ma mère. Ma mère a dit, moi, je n'ai pas besoin de l'argent d'MLP. Je n'ai pas besoin de rien d'MLP. Je n'ai jamais commandé MLP. Ma mère a dit, je vis dans ma maison que mon père a construite pour moi. Je vis dans ça. Je n'ai rien besoin d'eux. Mais pourquoi, depuis le 14 février jusqu'à maintenant, MLP m'a jamais, scandale m'a jamais appelé pour me remercier. Vous comprenez un peu? Ma mère a dit, mais je voulais juste ça, un appel pour me remercier, parce que nous en Afrique ici, c'est ça. C'est ça. Le remerciement, ça suffit. Ça seulement, ça suffit. Ma mère a dit, devant les commandants, devant les soldats, si vous croyez pas, partez à Truc là-bas, Kamayin là-bas, Cameroun là-bas, au niveau de Titanic, la gendarmerie qui se trouve là-bas, vous leur demandez, les journalistes là. Les journalistes qui parlent un peu partout là, partez là-bas, vous leur demandez. Ma mère a dit, yo, moi j'ai besoin de rien. Je vis bien, je suis au calme. Juste depuis le 14 février jusqu'en décembre là, tu n'as jamais appelé, tu m'as jamais appelé pour me dire merci, tanti. Le concert s'est bien passé. Vous comprenez la famille? On était là-bas, ils nous ont donné le contrat, ils nous ont dit c'est fini. Vous comprenez? Donc, après ça, on était revenu à la maison. Ils nous ont quittés même au commissariat, je pense bien. Ils nous ont quittés, ils sont allés. Ce jour-là, j'ai tapé avec ma mère, avec mon oncle, avec Bouba, avec mon petit frère. J'ai tapé du commissariat jusqu'au niveau du pont de 8 novembre. J'ai pris taxi pour ma mère. Ma mère était rentrée. J'étais fou de rage. Je me suis arrêté, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, mais... c'est pas possible.
Si je parle pas, c'est pas bon. Si je parle pas, les gens vont me prendre pour un enfant. Ces gens veulent me prendre pour un enfant. Ces gens-là veulent me prendre pour un enfant. Il faut que je parle. Parce que la manière dont j'ai vu ma vieille, j'ai voulu même pleurer. Après, j'ai accompagné ma mère. Elle a pris taxi avec mon oncle, avec mon petit frère. Elle est rentrée. Nous, on a continué en vie. Tu vois un peu? Après ça, pendant tout ça, du 14 février jusqu'en décembre, avant que je parle sur les réseaux sociaux, moi, j'ai jamais demandé d'SOS. Moi, j'ai pas besoin d'SOS. Moi, j'ai jamais. J'ai défendu ma cause. Le journaliste m'a posé la question. Il m'a dit, tu as reçu combien? Mais il faut que. Mais je vais dire, j'ai reçu 25 millions. Ils m'ont demandé tout ce que. Moi, j'aime. Je veux pas d'SOS. J'ai pas demandé d'SOS. Je vis bien, je suis au calme. Moi, je suis au calme, je fais ma musique, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas chanté pour la musique, moi, et pour avoir de l'argent. Moi, j'ai chanté pour l'amour de la musique, mec. Vous comprenez un peu? Après, moi, je suis redescendu en ville. Ma mère était rentrée à la maison. Après, le lendemain, je n'ai pas parlé. Une semaine après, 2 semaines après, je n'ai pas parlé. Vous comprenez un peu? C'est au moment que on a remis les prix. Guinée, victoire de la musique guinéenne, meilleur clip. Vous comprenez un peu? J'étais en Turquie ici. J'étais au calme. J'ai dit, comme les gars disent, j'ai dit à mon grand Bouba, comme les gars disent que Alasco, c'est fini entre nous. J'ai dit, Bouba, comme ils nous ont dit que c'est fini entre nous, faut aller récupérer notre trophée. Vous comprenez un peu? Bouba est parti récupérer notre trophée. Après, le soir, et le gars, il m'appelle, il me dit, mais petit, tu veux te foutre de ma gueule? Tu veux jouer avec ma dignité? Pourquoi tu dis à Bouba d'aller chercher? J'ai dit, mais gars, c'est fini entre nous. Tu m'as déjà dit, mais pourquoi pas, je ne veux pas dire à Bouba d'aller chercher mon trophée. Vous comprenez un peu? Et il m'a raccroché. Quand il a fait ça avec des menaces, ça m'a poussé à parler. Et tout ça là, ça m'a pas poussé à parler. C'est un journaliste qui m'a appelé, Sita News. Je voulais pas parler. Je voulais pas que les gens rentrent dans ma vie privée. Je voulais pas parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai toujours été calme. Tout le monde me connaît. J'ai toujours été franc. Je cherche pas du buzz. J'ai pas besoin du buzz pour me faire connaître. C'est ma musique qui a fait que toute la nation même, la Guinée même. Vous comprenez un peu? Après, je les ai expliqués, j'ai expliqué tout à Cita News. Ils ont balancé et ça a commencé. De un, j'ai écouté leur conférence de presse aujourd'hui et j'étais trop déçu. Et j'étais trop déçu. Mais seul Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Hein? Dieu ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Hein? Moi, je suis un jeune. Hein? Vous avez 20 ans de carrière plus que moi. Vous connaissez le milieu plus que moi. Vous connaissez les trucs de comptable plus que moi. Vous connaissez la musique plus que moi. Vous connaissez la vie mieux que moi. Vous connaissez comment prendre soin d'un jeune artiste. C'est ça la vie. C'est ça la vie. J'ai vu votre intervention aujourd'hui est sur beaucoup de médias. Vous aviez fait des conférences de presse et vous avez parlé de contrats. Vous avez parlé de tout. Mais moi, je sais comment on a signé le contrat là. On est allé au Canada. Déjà, tout s'est commencé au début. Depuis en 2000, combien j'étais là-bas, vous m'aviez pas signé. Après, suite à l'affaire de Tamsi, vous nous avez tous laissé tomber. Je me suis débrouillé. J'ai fait 5 ans, je cartonne en Guinée. Bouloubou. Est-ce que j'ai fait bouloubou avec MLP? Doko. Amfala m'a dit, Doko Fafi, je n'ai pas fait avec vous. Kolot, je n'ai pas fait avec vous. Foya, je n'ai pas fait avec vous. J'ai fait plus de 5 ans, je cartonne à Conakry sans vous. Vous comprenez un peu? On a commencé, on est allé au Canada sans contrat.
On est venu sur le premier concert le 19 avril. Vous aviez dit dans votre truc de contrat qu'on a signé en mois d'avril. Donc vous m'avez signé en avril, quoi. Mais c'est quoi ça, mec? C'est quoi? Je comprends pas. Vous m'avez signé en avril, moi. Vous m'avez signé en quelques jours de mon concert, mon frère, en février 2021. Il faut arrêter de tromper les gens. J'ai pas voulu parler parce que si je parle, c'est pas bon. Si je parle, je veux pas rabaisser quelqu'un, quoi. J'aime pas ça. C'est pas de ma nature. Moi, je ne parle même pas trop. Vous comprenez? Vous aviez dit dans votre live, vous m'avez signé en avril. Mais mon frère, il faut montrer le contrat aux gens. Il faut montrer, les gens vont voir. J'ai bien lu le contrat. Je sais, je ne suis pas un enfant. Je suis calé dans la tête. Je suis calé dans la tête. Je suis pas un fou. Je sais tout ce que j'ai fait. Mais peut-être vous m'avez pris pour un enfant. Vous aviez dit, ouais, peut-être le petit parle pas, ouais, lui il est calme, il est comme ça. Je voulais pas en venir là, franchement. Vous m'aviez dit que moi j'ai signé en mois d'avril, pourtant j'ai signé en 2021, février, dans le mois de février. Mais les mecs, arrêtez ça. En plus, Moussa Mbaye, je veux pas que tu te mêles de ça. Parce que mon album était là. Je t'ai pas vu faire une publication. D'ailleurs, tu n'étais pas d'accord avec Scandale. Et aujourd'hui, quand je te vois, tu es assis avec lui en conférence de presse, tu parles, mais je dis, mais c'est quel manigance ça. Tu n'étais pas là pour mon concert. Tu n'as jamais fait une publication pour mon concert. Tu n'étais pas d'accord avec ton frère pour mon concert. Non, mec, Neva, Neva, faut pas me pousser à bout de parler. Je veux pas trop parler. Vous comprenez un peu? Arrêtez ça. Tu ne faisais pas partie. Tu n'as jamais parlé de mon concert. Tu as même ta maison de production, toi-même, M Records, mec. Mais pourquoi tu es avec eux, tu t'assois, tu es en train de parler d'Alasco, pourtant tu n'as rien fait dans mon album, tu ne parlais pas de mon album, tu ne parlais pas de la sortie de mon album, et aujourd'hui je te vois en pleine conférence de presse, tu es assis avec lui, vous parlez, parce que juste, c'est des frères, vous voulez vous défendre. C'est pas pour vous défendre. C'est la vérité. Moi, j'ai jamais voulu parler. Scandale, il essaie consciencieusement parce que à chaque fois, je lui parle de mon cas. Moi, c'est pas l'affaire d'appartement ou bien de voiture qui m'intéresse. Déjà, la voiture que dont les gens parlent comme ça, Scandale a acheté pour moi. C'est pas lui qui l'a acheté pour moi. J'ai chanté pour Joe. Le gars qui a crazy parle là, Joe Nana Mabossa. C'est le gars qui a acheté ma voiture, moi. J'ai chanté pour lui pour qu'il achète ma voiture. Mais qu'est-ce que eux, ils racontent sur leur truc de confiance? On a acheté la voiture par Alasco. Yo, dans le monde de showbiz, c'est au mystique. C'est au mystique. Vous avez vu une photo où j'ai dit merci MLP pour la voiture. Ça, c'est juste une façon de mystifier les choses. C'est juste une façon de leur mettre de valeur. C'est pas eux qui ont acheté ma voiture, mec. C'est Joe qui a acheté une voiture pour moi parce que tout simplement, j'ai chanté pour lui. Tout simplement, j'ai chanté pour Joe. Donc, arrêtez. Arrêtez de mélanger les gens. Arrêtez de mélanger les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Mec, moi je suis pas là pour abaisser quelqu'un. Je suis pas là pour mettre la carrière de quelqu'un en bas. Mais ça fait 10 mois maintenant, du 14 février, que je me suis tué. Je vous ai partout. Il y a des milliers de personnes qui m'ont parlé, mais petit, il faut réagir. Il y a des gens qui me prennent pour un maboule même, il y a des gens qui disent, ouais, mais Alasco, lui, il est qui? Regarde, mais son concert, il vient de remplir l'esplanade et puis en plus, il y a rien. Tout le temps, il y a un grand et il y a quelqu'un qui me vient me parler. Mais peut-être il faut parler. Ça fait 10 mois maintenant, je n'ai pas parlé. J'ai toujours cherché à vous défendre. Et quand je vois aujourd'hui dans votre conférence de presse, vous me traitez de drogué, de tout. Mais Dieu merci, j'accepte tout. J'accepte tout. Je vous respecte, vous avez beaucoup fait pour moi, ok? Beaucoup, merci pour tout. À propos de l'ingénieur, vous aviez dit encore, parce que j'ai tout noté, hein, j'ai tout noté ici. On a parlé du contrat, on va venir à propos de l'ingénieur. Vous avez dit, nous on a donné à l'ingénieur 1 000 euros. Mec, imagine 22 sons,
À part les sons que Kams Melody a fait, les quatre sons que Kams Melody a fait, les quatre sons que Kams Melody a fait, ça va rester combien? Ça va rester 19 sons, mec. Toi, tu peux donner 19, dans tous ces 19 sons-là, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Mais les gars, il faut accepter la vérité. Les gars, il faut pas être méchant. Les gars, arrêtez ça. Vous pouvez pas donner 1000 euros chaque son. Arrêtez ça. Arrêtez de vous mettre devant les gens parce que il y a des conférences, parce qu'il y a des journalistes. Non, c'est pas comme ça se passe dans le game. C'est pas comme ça se passe dans le game. Vous pouvez pas donner 1000 euros à quelqu'un pour un son. Non, Neva, on sait comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Tu me connais, je te connais. Je veux pas rentrer dans les détails. De deux, vous avez parlé des clips que vous avez fait pour moi, pour me grandir. Je sais. Vous avez fait des bons clips pour moi. Je sais. Et je suis reconnaissant. Merci. Mais il faut pas trop parler. Au moment de mes clips, c'est moi-même qui achetais mes habits pour mes clips là. Ils connaissent. C'est moi-même qui achetais pour mon clip qui était Kana. J'ai acheté mes habits à la boutique de mon grand. Si vous voulez, je vous indique la boutique. Vous parlez, vous demandez le gars. Si c'est pas Lasco qui venait acheter ses habits là-bas pour son clip, mec. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Guinéens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons ou bien des gens pour les illettrés. Il faut arrêter, les gars. S'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est moi-même qui ai acheté mes trucs pour mon clip. Salama clip. On a ma boutique qui est Maorindi, à Tawiyanemeni, à côté de Tawiya Kakimbo là-bas. Et Kakimbo est comme Seriana à Kakimbo là-bas. Le gars, il est là-bas. Même demain, je vais envoyer, je peux poster, vous partez lui demander qui a acheté ses habits pour son clip. Mais mon frère, il faut arrêter ça. Vous comprenez un peu? En plus de 4, vous avez parlé de l'affaire de la voiture, mon frère. Quelle voiture tu as acheté pour moi? C'est Joe qui a acheté une voiture pour moi. Parce que tout simplement, j'ai chanté. J'ai mis ma voix. C'est Joe qui m'a donné une voiture. C'est pas vous. Vous n'avez jamais acheté une voiture pour moi. Jamais de la vie. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Hey, moi, je suis pas dans les mensonges. Moi, je suis pas dans ça, dans les trucs. Tu viens t'arrêter sur le live pour dénigrer les gens. Moi, je vais jamais vous dénigrer. Si je voulais vous dénigrer depuis le 14 février, j'allais vous dénigrer partout dans le monde entier. J'allais dire, ouais, ils m'ont donné ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Mais je vous ai pardonné. Je vous ai regardé si vous avez une bonne foi. Mais j'ai vu que vous êtes des personnes méchantes. Tu n'as pas de l'estime pour quelqu'un, tu n'as pas de l'estime pour une personne. Vous comprenez? En plus, dans votre conférence, vous aviez parlé de mon compte bancaire que vous avez fait pour moi et à l'Ecobank. Déjà, vous avez dit que j'ai signé sur le compte bancaire. J'ai jamais signé sur le compte bancaire que vous avez créé pour moi. J'ai jamais connu le mot de passe du compte bancaire que vous avez fait pour moi. Vous prenez mon argent, vous partez mettre là-bas. Après, quand vous avez besoin, vous retirez, vous faites vos trucs. Après, c'est pour dire aux gens, parce que, ouais, il y a les journalistes, vous voulez vous défendre. Ce n'est pas l'affaire de se défendre. On n'est pas dans l'affaire de se défendre ici, mec. Il faut dire la vérité aux Guinéens. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je ne suis pas là pour vous manquer de respect. Jamais de la vie. Moi, je n'ai jamais osé regarder scandale dans les yeux. Je suis toujours comme ça. Mais il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à bout de parler. Il me parle de l'Ecobank aujourd'hui, qu'ils ont ouvert un compte pour moi. Qu'Alaska, ouais, je ne connais pas le mot de passe que moi-même j'ai signé. Quelle signature? Montrez. Montrez aux gens, montrez aux Guinéens, ils vont voir. Mec, montrez aux Guinéens, frère. Montrez aux Guinéens, s'il vous plaît. C'est pas bien. J'ai jamais voulu mettre quelqu'un dans le problème. C'est pas de ma nature. Je suis pas né comme ça. Je suis pas éduqué comme ça.
suis pas éduqué comme ça. Même tout récemment, mon oncle m'a appelé. Mon oncle a fait tout fait pour que je lui parle du 14 février, ce qui s'est passé, ce que les gars là m'ont donné. Tout récemment, mon oncle m'a appelé. Quand il a vu les articles sur les gars, il m'a dit, mais Alasko, donc c'est ça, tu me cachais, tu nous cachais, c'est ça que tu caches à la famille, mais... Moi, je connais la famille africaine. Si tu fais un concert, ils vont dire, ouais, c'est fini. Donc, aujourd'hui, j'ai vu leur intervention. Ils ont dit des trucs vraiment qui m'ont déçu. Ils m'ont traité de dogué. Ils m'ont traité de tout. Quand tu t'occupes pas bien de ton artiste, il va pas t'écouter. Il va pas te comprendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi, je vous ai pas fait de mal. Hein. Et j'ai jamais voulu que ça soit comme ça. Peut-être grand frère, Ablaye, boss, tu me suis. Tu sais, je sais. J'ai jamais voulu. À chaque fois que je te parle, je dis Ablaye, il y a des milliers de personnes qui me disent de faire des interviews. Il y a des milliers de journalistes qui me disent de faire des interviews, mais j'ai jamais accepté. Jamais de la vie. Mais pourquoi je vais mentir? Ça a quel sens pour moi de mentir, de mettre là à mentir aux gens? Ça n'a même pas de sens, frère. Tout ce que j'ai dit, j'ai raison. Vérifiez bien. Vérifiez bien. Et je ne suis pas à Conakry. Je ne suis pas à Conakry, c'est pour ça. Le jour que je serai à Conakry, je vais vous montrer les preuves. Je veux un face-à-face entre moi et ces gars-là. On s'assoit, on parle, toute la Guinée nous regarde. C'est ça l'essentiel. Je veux ça, quoi. C'est la seule chose que je veux, moi. Comme ils disent là que je suis un drogué, ils disent tout de moi aujourd'hui parce qu'ils cherchent à se défendre. Ils n'ont plus rien à dire. Mec, mes streaming, où sont mes streaming? Vous dites que dans le live que... Mes CD n'étaient pas vendus, mais mon frère, arrêtez ça. Est-ce qu'il y a un fan d'Alasko qui n'a pas acheté mes CD? Est-ce qu'il y a un fan d'Alasko aujourd'hui qui n'a pas acheté l'album Alan Wally? En France, partout dans le monde entier, dans les streaming, vous ne m'avez jamais parlé de ça. Vous ne me parlez de rien. Même s'il y a un contrat, tout ce qui vous intéresse, vous ne me parlez même pas vous me parlez même pas du contrat. Tout ce qui vous intéresse, c'est de venir remettre l'argent à l'ASCO. Donc, c'était un peu ça. Donc, merci la Guinée. Merci la Guinée pour la force. J'ai vu les messages et vous m'avez soutenu. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Vous m'avez honoré. Vous m'avez montré que à l'ASCO est un grand. Vous comprenez? Déjà, moi, c'est pas le SOS que j'appelle jamais de la vie. Je vais appeler SOS. Pourquoi? Mais juste, je me suis défendu. J'ai défendu parce que tout simplement, ils m'ont envoyé. Pourquoi ils m'ont envoyé à la gendarmerie? Ils savent que je souffre. Ils savent très bien que je souffre. Ils savent que la vie que je mène à propos des miettes, parce que ça, c'est un concert et c'est le business. Ça, c'est de l'argent. Ils vont porter plainte contre moi. Mais mon frère, ça, c'est quelle histoire, ça? Vous m'avez poussé à bout de parler. J'ai jamais voulu parler. Hein. Vous m'avez poussé à bout. Donc, c'est un peu ça. J'ai parlé. Je pense et j'ai dit tout ce qu'il faut. J'ai dit tout ce qu'il faut. Merci tout le monde. Merci mes femmes partout dans le monde entier. Merci à tous ces blogueurs. Et merci à tous ces journalistes. Et merci Cita News. Et merci au CMLP pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je sais que vous aviez beaucoup fait aussi. Donc, merci tout le monde. Et c'est la vie. La vie, c'est toujours comme ça. Vous êtes mes grands frères. Moi, je suis petit par rapport à vous. Vous comprenez? Vous le savez. Si vous voulez m'aider, vous allez m'aider. Si vous voulez m'aider là, vous allez m'aider. Mon frère. Ma mère m'a toujours dit de réclamer mes droits. Mais j'ai dit, mais non. Moi, j'ai pas besoin de ça. Big up à tout le monde, on est ensemble. Et merci pour la force. Et je sais bien que vous aimez Alasko. Il y a de l'eau qui vient. Restons
concentrés. Hein? Ça c'est un exemple pour tous ces jeunes artistes qui évoluent en Guinée. Donc méfiez-vous et faites doucement, car la vie est c'est petit à petit. On est ensemble, Dieu est grand. Que Dieu nous donne la force. Merci.